Alors, on va prendre sans plus tarder la parole de notre maître. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. Alors, si quelqu'un veut bien nous faire la lecture ce soir. Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. Raphaël ? Alléluia. Juste le verset 1er. Je lis la parole. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront : nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Voilà. Amen. Et tout à l'heure, j'étais avec mon frère, un frère dans la voiture. J'étais avec un frère dans sa voiture et puis le Seigneur m'a. Cet après-midi, il m'a donné ce passage et il m'a vraiment mis à cœur de pouvoir le partager avec vous. Voilà, donc, les sept femmes dont il est question ici, mes amis, nous représentent l'église apostate dans, n'est-ce pas, le péché. Parce que, comme vous le savez, certainement, le nombre 7 dans la Bible nous parle de l'absolu, de la perfection, quand il est question, bien sûr, de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Mais quand il est question, mes amis, de Satan, de l'homme charnel, pécheur, le chiffre 7 nous parle du paroxysme du péché, hein, de le péché dans son paroxysme, dans son apogée. Donc, les sept femmes dont il est question ici nous parlent, mes amis, de l'église paganisée, n'est-ce pas ? De l'église de Laodicée, qui est bien sûr la septième église. Voyez ? Pourquoi Laodicée est-elle la septième église ? Comme je vous l'ai appris, le chiffre 7 dans les Écritures, n'est-ce pas ? Nous parle de la perfection, de la sainteté, de l'achèvement, hein, d'une œuvre achevée. Quand il est quand il est question, n'est-ce pas, quand il se réfère à Dieu, hein, donc, mais quand il est, n'est-ce pas, utilisé pour les hommes, pour les pécheurs ou pour l'ennemi, les démons, les sorciers, le chiffre 7 nous parle justement du péché dans son paroxysme. D'accord. Donc, au-delà de ce chiffre, il y a le renouvellement. Donc, c'est le chiffre 8, le recommencement. Donc, là, en fait, pour les pécheurs. Au-delà du chiffre 7, il n'y a rien. C'est vraiment le summum, c'est vraiment le paroxysme du mal. Et vous voyez bien que ici, Ésaïe 4 nous parle de sept femmes. Et bizarrement, les Écritures nous parlent de sept églises. Et la septième n'est rien d'autre que l'église de Laodicée. Une église complètement, mes amis, éloignée de Dieu, totalement loin de Dieu. Une église qui a, n'est-ce pas, mes amis, sacrifier sa sainteté pour de l'argent. Et qu'est-ce que cette église, ici dans Ésaïe 4, dit ? En ce temps-là, alors dans les Écritures, on retrouve beaucoup ce terme-là, en ce temps-là, en ce jour-là, hein, en ce moment-là, et il est question en fait du temps messianique. Il est question ici de la fin de temps. En ce temps-là, donc quand le prophète Ésaïe va prophétiser ici, au 8e siècle avant Jésus-Christ, ces sept femmes n'étaient pas encore en activité. D'accord ? Cette église apostate, l'église de Laodicée, elle n'était pas encore là. Et Ésaïe va, n'est-ce pas, entrevoir cette église. Et il va prophétiser dessus en disant, ces sept femmes ou cette église, hein, va saisir un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons, hein, de nos vêtements seulement. Fais-nous porter ton nom et fais cesser notre opprobre. Alors, ces femmes ou cette église veut garder son pain. D'accord ?
Deuxièmement, elle veut garder son vêtement. Et elle veut juste porter le nom de cet homme. D'accord ? Suivez bien l'enseignement, frères et sœurs. Je crois que Dieu va parler à chacun de nous. Parce que c'est un message prophétique. Et ces sept femmes ne veulent pas du tout, mes amis, manger le pain de cet homme. Ne veulent pas non plus porter son vêtement. Tout ce qu'elles veulent, c'est porter son nom. D'accord ? C'est tout. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici ? Parlons d'abord, mes amis, de ces sept femmes. Mes amis, dans les Écritures, la femme représente souvent, n'est-ce pas, l'Église. Et la première femme à être utilisée comme un type de l'Église, c'est Ève, bien sûr. Et Israël était également, mes amis, représenté sous la forme d'une femme. Une femme dont la femme dont la femme de l'Éternel, la femme de Yahweh. Et allons voir, mes amis, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens. Chapitre 11. Est-ce qu'on peut nous lire les versets premiers, du verset 1 au verset 3? Amen. Oh, si vous pouviez de ma part, Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ok. Alors ici, nous avons déjà une bonne image de l'Église. Bien sûr, on connaît ce passage. L'Église véritable, l'Église de Yeshua, comme vous le savez, mes amis, n'a rien à voir avec nos bâtiments, nos maisons. On nous dit que cette Église-là, cette Ecclésia-là, mes amis, est fiancée à un seul époux. D'accord ? À un seul époux. On peut dire à un seul homme. D'accord ? Donc, Yeshua. Donc, on comprend que dans Ésaïe 4, là-bas, l'homme, n'est-ce pas, dont il est question, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Le dernier Adam. Littéralement, le dernier homme, selon 1 Corinthiens 15. D'accord ? Et la parole nous dit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ a paru comme un vrai homme. Donc, vous voyez que l'Église véritable est l'épouse de Yeshua, mais l'Église apostate veut aussi porter le nom de Yeshua. Et on verra pourquoi. Tout en gardant, tout en mangeant son pain et en portant son vêtement. Et on va définir le pain et le vêtement. Alors, frère, écoutez bien l'enseignement. On a compris d'abord que la véritable Église est fiancée à Christ et non au pape, non à un pasteur. Donc, tous les chrétiens qui sont attachés à leur chantre, à leur pasteur, mes amis, ne sont pas fiancés à Christ. Parce que quand on est fiancé à Christ, ça veut dire qu'on est lié à lui. On n'est pas attaché à un bâtiment, attaché à une maison, attaché à un groupe de personnes. On est attaché d'abord à Christ, dont tout le corps, solidement assemblé, tire sa force, nous dit Colossiens. J'aime cette parole, mes amis. Colossiens 2, là-bas. Et frères, sœurs, enfants de Dieu, chrétiens, vous qui aimez la vérité, ouvrez les oreilles ce soir. Cette véritable Église n'est pas attachée, je me répète encore, à un pasteur. Donc, elle peut facilement s'attacher aux hommes,
mais elle ne peut se passer de son chef, de son maître qui est Yeshua. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore? On apprend, frères et sœurs, qu'il y a une autre femme qui veut, qui n'est pas fiancée à Christ. C'est cette femme, cette église, donc apostate, veut profiter aussi du nom de Yeshua. Alors, je veux, pendant que l'Esprit me donne des passages, je veux vous les donner rapidement pour ne pas les oublier. Pourquoi porter ce nom? Nous sommes dans Actes chapitre 19. Alléluia. J'aime l'évangile, mes amis. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Alors, j'aime l'illumination que Dieu peut nous donner. Actes chapitre 19. Nous sommes au verset 13. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Ils étaient combien ? Sept. Ils étaient sept. Alléluia. Vous voyez, mes amis, la combinaison entre Ésaïe 4 et Acte 19. Les sept femmes, je n'avais même pas vu les choses comme ça. Moi, ça vient de tomber tout de suite là, comme ça. Là. Les sept femmes qui voulaient porter le nom de Jésus-Christ. Et voilà, ici, on nous parle de sept fils de Séva, sacrificateurs, qui ont voulu aussi porter le nom de Jésus. D'accord? Mais pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Et parce qu'ils ont vu l'épouse de Jésus-Christ chasser les démons en utilisant ce nom glorieux. Donc, ils ont vu Paul, qui faisait partie du corps de Christ, de l'épouse de Yeshua, utiliser le nom de Yeshua sur les démons et ça marchait. Et eux, ils se sont dit, ils étaient sacrificateurs aussi, hein, donc une fausse église. Ils se sont dit aussi, nous allons utiliser le même nom, tout en gardant notre pain. Et leur pain à eux, c'était Moïse. Et leurs vêtements à eux, c'était, n'est-ce pas, leur propre justice. Or, on ne peut pas chasser les démons tout en mangeant Moïse et en portant son propre vêtement. Vous voyez, frère, et c'est terrible. Hein? Et ils ont essayé d'invoquer sur les possédés. Ils sont allés chercher les possédés quelque part. Ils ont commencé à invoquer le nom de Yeshua sur eux. Ça n'a pas marché. Et nous connaissons la suite. Il est dit que cet homme possédé s'est jeté sur eux. Et il a déchiré leurs vêtements. Ils se sont enfuis complètement nus. Vous voyez, frère? Ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Fais-nous seulement porter ton nom. La majorité de vos pasteurs portent le nom de Jésus-Christ sans manger son pain, sans porter son vêtement. La majorité de nos chantres d'aujourd'hui, qui ont même des voix, des belles voix, mais ne veulent pas manger le pain de Jésus et porter son vêtement. Ils veulent simplement, mes amis, simplement son nom. Parce que Yeshua a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. Et ils pensent que le nom de Jésus-Christ est un gris-gris. Voyez, frère, voilà pourquoi Matthieu 7, 21 dira, le Seigneur dira, à la fin de temps, je leur dirai, hein, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Hein, et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Voyez, frère. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une époque, mes amis, où la plupart de chrétiens que vous rencontrez portent tous le nom de Jésus. Tout le monde se dit chrétien. Voyez, comme Christ. Tout le monde porte ce nom-là. Mais un petit noyau seulement, mes amis, mange le pain de Jésus et porte son vêtement. On va le voir, frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va, je vous dis, moi, ce n'est pas moi qui reçois cela. Dieu donne cela au même moment que vous.
je reçois en même temps que vous. Voyez, frère, nous sommes dans une génération. Enfin, c'est dans Ésaïe 4, ce sont ces sept femmes qui sont allées voir eux-mêmes Jésus-Christ pour lui dire, nous mangerons nous-mêmes notre pain. Nous porterons nous-mêmes nos vêtements. Toi, donne-nous seulement ton nom. Voyez, donne-nous seulement ton nom. Et c'est tout. Et c'est ce que les sept fils de Séva, souverain sacrificateur, ont fait. Et c'est ce que la majorité de nos pasteurs font. Regardez d'abord chez les catholiques. Ils ont le nom de Jésus-Christ, mais ils ont leurs propres vêtements et ils ont leur propre pain. Vous voyez, frère, regardez les protestants. Ils ont le nom de Jésus-Christ, mais ils ont leurs vêtements, ils ont leur pain. Regardez les chantres d'aujourd'hui, frère, les musiciens chrétiens soi-disant. Ça chante Jésus au bout des lèvres, mais ils ne mangent pas le pain de Jésus et ils ne portent pas son vêtement. Donc nous sommes d'abord en train de vous définir les sept femmes. C'est l'église de Laodicée. Allons voir ces sept femmes. Après, nous allons développer, mes amis, le pain, nous allons développer le vêtement au nom de Yeshua. J'espère que Dieu nous éclaire ce soir encore. Alléluia. Apocalypse 3, verset 4. 14. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je continue ? Oui, oui. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis « Je suis riche ». Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ok. Tu vois ici, mon frère Raphaël, et vous tous qui êtes là ce soir, qui aimez la vérité, la septième église, l'église de Laodicée, représente les sept femmes, mes amis, d'Ésaïe 4. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que cette église-là mangeait un autre pain. Cette église avait son propre vêtement et le Seigneur l'appelle nu. Le Seigneur la voyait nue. La première église qui est tombée, Adam et Ève, s'est retrouvée nue, sans vêtements. Et ils avaient refusé le pain de Dieu pour manger un autre pain, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et leur vêtement, c'était quoi? On a vu que leur pain, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur vêtement, c'était des feuilles de figuier. Et quand Jésus, quand Dieu est venu leur parler, sa gloire était telle que ces feuilles ont dû éclater. Quand Dieu les a appelés, voilà pourquoi Adam dira, je suis nu. Pourtant, la parole nous dit qu'il avait des vêtements de figuier. Voyez, frères et sœurs, donc, les sept femmes représentent l'église de Laodicée, c'est-à-dire toutes les fédérations chrétiennes, la chrétienté actuelle, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les églises indépendantes, les églises presbytériennes, méthodistes, tout ça, frère, pentecôtistes, et toutes les fédérations chrétiennes, catholiques, évangéliques, les adventistes, tout ça là, mes amis, c'est dans le même panier. C'est la chrétienté paganisée. Tout le monde se réclame de Jésus-Christ. Voyez, frère, tout le monde se réclame de Jésus-Christ. Tous les chantres, toutes les femmes qui chantent, tout ça là, et qui ne veulent pas du pain de Jésus, c'est-à-dire, on va voir ce que c'est ce pain-là. Et tout ce monde-là, mes amis, ce grand mélange-là, cette chrétienté actuelle, c'est la grande religion, c'est l'église luciférienne. Voyez, frère, cette église représente les sept femmes, en fait, ou également l'église de Laodicée. Elle est très riche, elle est
riche matériellement, financièrement, n'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur l'appelle misérable, aveugle, nu et pauvre. Allons voir maintenant le pain. Définissons le pain. Le pain. 1 Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 15, mon frère, jusqu'au verset 22. 10, 15 à 22. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Tu peux t'arrêter là. Le pain, mes amis, est l'image de la communion avec Christ. Donc quand les sept femmes d'Ésaïe 4 disent à Yeshua que nous allons manger notre pain, ces femmes refusaient la relation, la communion avec Dieu. Voyez, frère, comme Adam. Et on nous dit également qu'il y a un seul pain. Raphaël, il y a un seul pain, un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ça veut dire littéralement, il y a un seul message. D'accord? Un seul message. Il n'y en a pas deux, mon frère. Il n'y en a pas deux. Ça veut dire que si tu es chrétien, si je suis chrétien, nous devons avoir le même message. D'accord? Nous devons nous accorder, même s'il peut y avoir quelques divergences, mais sur l'essentiel, là, on doit s'entendre. Parce que c'est le même esprit qui donne le même message. Hein? Il y a un seul pain. C'est l'évangile véritable, chrétien. Écoutez bien, ouvrez les oreilles. C'est pour cela ce message que Dieu donne nous donne à prêcher aujourd'hui et à d'autres frères et sœurs dans le monde entier que nous ne connaissons pas. Les vrais enfants de Dieu, quand ils l'entendent, ils ne peuvent que l'accepter parce que c'est le pain qui se trouve déjà dans leur cœur. Jesus Christ. Nous croquons tous, vous et moi, mes amis, sur le même pain. Voyez, donc, c'est pour ça qu'il y a ce grand rassemblement des élus. Parce que la trompette retentit, comme il y a un seul pain, eh bien, tout le monde se dit, c'est ça la parole, c'est ça la vérité, c'est ça le message. Dieu me l'avait dit, Dieu me l'avait montré. C'est parce qu'il y a un seul pain. Jesus Christ. Alléluia. Voilà pourquoi même si on nous critique, les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent ce son-là, ils disent, non, arrêtez, c'est ça la parole. Arrêtez de dire des mensonges. Oh, c'est les gourous, c'est les sorciers, faux prophètes. Oh, c'est les courants de femmes, tout ça, c'est faux. Où sont les preuves? Arrêtez la comédie. C'est ça le message. C'est pour cela même nos ennemis ne peuvent pas nous abandonner, nous oublier. Ils sont toujours là, 10 ans après la séparation, ils sont toujours en train de se connecter sur TV de vie parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est ça le pain. Amen. Jesus Christ. Amen. Tu peux. Comme les pharisiens, ils étaient tout le temps derrière Jésus. Hein, le retour là-bas, les pharisiens, ouais. Ils étaient toujours derrière Jésus. Mais les pharisiens, ouais. Tout le temps pour voir ce qu'ils disaient, pour voir s'ils disaient quelque chose de faux. Ils ne pouvaient pas ne pas l'oublier. Parce qu'il attirait. Malgré tout, Jésus attirait les religieux. C'est terrible, effectivement. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tout cet engouement, cette ébullition, ces propos sanguinaires, pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a un seul pain et tous les yeux sont braqués dessus. Et Paul continue, mes amis. Oui. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps. Ça veut dire que nous mangeons tous le même pain, nous les vrais chrétiens. Voilà pourquoi quand j'entends un prédicateur qui prêche le message du temps, je dis ça, c'est la vérité. Voyez? Donc parce que nous mangeons tous le même pain, frère. On continue. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul même pain. Waouh! Voici les Israélites selon la chair,
Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Waouh ! Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, tu vois ici, Raphaël, mes frères et sœurs, il y a une table qui est dressée pour les chrétiens du monde entier. Et ils participent au même pain. C'est le principe de la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Quand le Seigneur a convoqué les 12 apôtres pour la Sainte Cène, il a pris le pain, il a levé et il a rompu. Parce que c'était le même pain pour tous. Mais Judas, qui n'était pas destiné au ciel, quand il a pris ce pain, il est dit que dès l'instant où le morceau fut donné à Judas, Satan entra en lui. Ceux qui essaient de manger ce pain alors que Dieu ne les a pas, mes amis, Satan prend place dans leur cœur parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi quand ils entendent ce message-là, ils deviennent furieux. Comme Judas, quand il a pris le pain, il est devenu encore plus méchant. Satan est entré en lui. C'est pour cela que ce message-là, quand les religieux l'entendent, c'est comme si le diable entre en eux, ils veulent notre mort. Vous comprenez maintenant? Parce que le pain que nous mangeons provoque la vie chez les enfants du royaume, mais il provoque la mort chez les autres. C'est pour cela qu'on est haï comme ça, détesté. Ben oui. Le Seigneur a dit, ils m'ont haï à cause de ma parole. Vous voyez? Donc le pain provoque la haine, le pain de Dieu. La haine chez les enfants de l'enfer. C'est pour cela que ne soyez pas choqués si les gens vous haïssent, vous détestent à cause du pain que vous commencez à manger. Ils vont commencer à vous dire, oh, il ne faut pas suivre Chora, on ne suit pas un homme, on le suit aveuglement, c'est des idolâtres. Non, les chrétiens disent, on ne suit pas un homme. Nous écoutons le message qui est donné. Arrêtez de nous troubler. C'est parce que vous êtes jaloux. C'est parce que les gens ne veulent pas vous écouter. C'est aussi simple que ça. On connaît ces histoires-là, frères et sœurs. Ah, c'est fini. Vous ne pouvez pas tromper les enfants de Dieu. Ceux qui ont déjà goûté le pain, c'est fini. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs disent qu'il ne faut pas l'écouter parce qu'il séduit les gens. Non, quand les gens goûtent au pain, tu peux y aller. Comme tout à l'heure, je disais, ce n'est pas la séduction. Parce que Dieu m'a vraiment montré la vérité. Amen. Et voilà, tu avais une épée en or et je sais que l'épée, c'est la parole. Et c'est pour ça que ça m'a mis une paix. Et je sais que cette parole-là qui sort là, elle ne sort pas de l'homme. Amen. Elle sort du ciel et je suis convaincu et je le dis haut et fort devant la France entière, je ne suis pas un homme, je suis Yeshua. Amen. Voilà, et c'est lui que je veux suivre simplement. Amen. Voilà. La parole véritable, le pain de vie. Le Seigneur a dit quoi, mes amis? Le pain de vie. On va arriver quelque part. Paul dit qu'il y a une table qui est dressée pour les chrétiens et nous mangeons le pain du Seigneur. Et il y a une coupe. Vous voyez que c'est la Sainte Cène, le pain là. Le repas du Seigneur. Et le pain, en fait, c'est quoi? C'est la Pâque. C'est pour cela, lors de la Pâque, les Hébreux mangeaient le pain azim, du pain sans levain. Donc, quand les femmes d'Ésaïe 4 disait, n'est-ce pas, à Yeshua, nous voulons manger notre pain, parce qu'elle refusait la croix. Parce que la Pâque, c'est la croix. Parce qu'à la croix, le pain a été rompu. Le corps de Jésus a été rompu. Voilà pourquoi, mes amis, nous sommes une Pâque nouvelle. Nous dit 1 Corinthiens 5, alléluia, c'est ça le message. Jesus Christ, alléluia. Il y a quelque chose ce soir, mes amis. De glorieux. Jesus. Le ciel est ouvert. Les vrais enfants de Dieu seront libérés par la parole pure, frère. L'eau pure. Jesus Christ. Vous voyez, l'église apostate refuse la croix. Voilà pourquoi les gens ne prêchent plus la croix.
la croix, la repentance, la conversion, la sanctification, la sainteté, la dénonciation du péché, frère. La croix, c'est quoi? La croix, mes amis, c'est l'arbre de vie que Adam a refusé de manger pour manger le pain de la mort. L'arbre de la connaissance du bien du mal. Vous voyez, frère? Donc, la croix, mes amis, le pain, c'est le corps de Christ. C'est sa parole. Le pain, c'est la croix, c'est la Pâque. Et quelle est la fête la plus importante chez les Hébreux? C'est la Pâque. Quelle est la fête de la délivrance qui a protégé les Hébreux, mes amis, de l'exterminateur? C'est la Pâque. Donc, vous voyez qu'il y a le pain et il y a la coupe. La coupe, il y a le sang. Donc, c'est ça la Pâque. Donc, c'est cette femme, l'église apostate, refuse la croix, refuse, mes amis, le sacrifice de Yeshua. Voilà pourquoi cette église-là met l'accent sur les œuvres. Il faut payer la dîme pour être béni. Il faut faire des 3 jours à sec de jeûne pour être béni. Mes amis, faire des 100 jours de jeûne pour que les gens soient guéris. Alors que la Bible dit que ce n'est pas par nos jeûnes que nous sommes, les gens sont guéris. Mais c'est par le meurtre sûr de Jésus, Ésaïe 53. Ce ne sont pas nos jeûnes qui font que Dieu guérit les gens. Ce ne sont pas nos prières qui font que Dieu guérit les gens. Dieu les a déjà guéris, mes amis, depuis l'éternité, lorsqu'il a sacrifié son fils. Oh, mes amis, c'est ça l'évangile, le pain de vie, la parole pure que nous devons annoncer, frères et sœurs. Cette parole qui brise, mes amis, les chaînes, qui casse les chaînes, mes amis, de la religion. Jesus Christ. Ah non, j'aime la parole, frère. Le pain. Allons dans les Écritures, frère. Allons dans les Écritures. On a vu que dans 1 Corinthiens 10, le pain, c'est le corps de Christ, c'est la Sainte Cène, c'est la Pâque. Voilà pourquoi Melchisédek va apparaître à Abraham, le père de la foi, avec, mes amis, du pain et du vin. Jesus Christ. Alléluia. Abraham a goûté au pain et au vin. La Pâque n'a pas commencé avec Moïse. La Pâque a commencé avec, mes amis, dès l'éternité, mes amis. Oh, mes amis, depuis l'éternité, est manifesté, révélé d'abord à Abraham. Il a vu, mes amis, le Dieu très haut, El Elyon. Mes amis, wow. Nous sommes dans Jean. Oh, j'aime le feu de la parole. Le feu de la parole. Alléluia. Jesus Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 48. Oh, alléluia. Le pain. Jean, on peut y aller, mon frère, on peut y aller dans Jean 6, 48. Oh, j'aime l'esprit de feu. Amen. Le baptême de feu. Alléluia. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Jesus Christ. L'église apostate veut porter le nom de Jésus, mais elle ne veut pas de la vie de Jésus-Christ. Or, il ne peut y avoir de vie sans la mort. Il ne peut y avoir la mort sans la croix. Vous voyez, frère, il faut passer par la croix pour être mort. Et il faut mourir pour être ressuscité. Mes amis, vous voyez, mes amis, Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. C'est terrible, hein? Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Voyez? Et c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Voilà pourquoi ces églises-là sont mortes. Parce qu'elles mangent un pain, mes amis, complètement un faux pain, un pain pourri. Et le pain de la prospérité financière, le pain qu'on appelle le pain de la dîme, hein, le pain de la couverture pastorale, le pain de fédération, il faut fédérer pour être protégé, voyez, le pain, mes amis, de la peur du pasteur, hein, le pain de bâtiments d'église, de temples qu'on appelle église, ces enseignements complètement erronés, le pain de la loi de Moïse, voyez, frère. Tout ça, là, ce pain, là, produit la mort. Et le Seigneur a dit, vos pères ont mangé la manne. Ils sont tous morts. C'est terrible, hein? Alors, la manne, c'est Moïse. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, c'est Moïse qui est plus annoncé que Christ. On parle des temples, comme Salomon. On va dédicacer les temples que les hommes construisent, alors que nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est Moïse.
Ils vont mettre l'accent sur le Shabbat pour certains. Ils se judaïsent pour aller faire leur pèlerinage en Israël. Ils mangent un faux pain, un pain, qui produit la mort en eux. Voyez, frère, ils prêchent des enseignements sur les hommes. L'homme de Dieu. Confiez-vous en l'homme de Dieu, vous réussirez. Tout ça, ils déforment les Écritures. Un enseignement basé sur l'homme au lieu de se focaliser sur le Seigneur. Un pain, mes amis, qui produit la mort. Yeshua, mes amis, est ce pain de vie. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. C'est terrible, hein? C'est sa chair. Les Juifs, donc, disputaient entre eux, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus dit, alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est terrible, frères et sœurs. Et il dit plus loin, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de la manne que vos pères ont mangé et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Il a donné ce message dans une synagogue, frère. C'est-à-dire, dans cette synagogue, les gens mangeaient un autre pain. Un autre pain. Et frère, et voilà, il amène un autre message, Jésus, dans une synagogue. C'est pour cela, dans nos synagogues actuelles, il faut un autre message. Des chrétiens ont mangé, ont bu de l'eau sale, frère. Et il faut un autre message. Et voilà, mes amis, au verset 66, dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Waouh ! Regardez le verset 64. « Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui seraient ceux qui ne croiraient pas et qui serait celui qui le trahirait. Et il dit, c'est à cause de cela que je vous dis que personne ne peut venir à moi s'il ne lui a été donné par mon Père. » Voyez, et regardez le verset 63 et 61. Et plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire entre eux, cette parole est dure. Vous comprenez pourquoi les sept femmes d'Ésaïe 4 ne veulent pas du pain? Parce que cette parole, la parole, le pain là, est dur. C'est la croix. Et c'est pour cela, mes amis, dans nos églises d'aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne veulent pas de l'évangile. Ils préfèrent, mes amis, comme 2 Timothée 4 le dit, entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et il y a plusieurs faux docteurs qui viennent avec leurs faux enseignements, qui chatouillent leurs oreilles. Parce que la parole véritable est dure, c'est écrit. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors vous voyez, aujourd'hui, beaucoup disent, non, il est dur ce monsieur Choré, est dur, il est pas doux. Il y a tellement de propos, tout ça pour te décourager. Je ne me tairai jamais, frère. La parole est claire, c'est l'épée, c'est comme ça. Voilà, c'est ça l'évangile, frère. C'est la séparation avec le péché. Mes amis, c'est comme ça, il faut proclamer cette parole-là au nom de Yeshua. Je parlais à une personne qui chante, je lui disais, comment toi qui chantes peux t'associer avec d'autres chantres qui sont dans le péché, divorcés, remariés? Elle me disait, non, il ne faut pas me parler de ça. Voilà, les gens ne veulent pas de la vérité. Voilà pourquoi, mes amis, il n'y a plus rien à faire pour certains. Ils ont choisi l'enfer. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Le pain. C'est la Pâque. Et 1 Corinthiens 5 nous dit que Christ est notre Pâque. Et nous sommes une Pâque nouvelle. Il faut éviter le levain, frère, parce qu'avec le levain, on peut gonfler et mourir. Vous êtes les résultats des enseignements que vous recevez. Oui. Votre avenir dépend des enseignements que vous recevez, de la parole que vous écoutez. Votre foi, mes amis, dépend aussi de la parole
qui est planté dans votre cœur. Et si vous recevez la parole des hommes, les enseignements des hommes erronés, des enseignements basés sur la philosophie, sur les principes élémentaires du monde, comme Colossiens 2 le dit, eh bien, votre foi sera, mes amis, sera faible. Faible. Donc le pain, on a vu, c'est l'évangile pur, c'est la parole véritable, c'est l'eau de vie, c'est le corps de Jésus et par-dessus tout, c'est la croix. Cherchez l'enseignement sur la croix, mes amis, la dépendance totale à Dieu, mes amis, la foi, la sanctification, ces enseignements, mes amis, et deviennent de plus en plus rares. Et c'est cette femme disait aussi, nous voulons porter nos vêtements. Que signifie les vêtements? Nous sommes dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Oh Dieu, merci pour ta parole. Le Seigneur nous enseigne, mes amis, l'évangile est glorieux. Voilà, nous sommes dans Ésaïe, Raphaël, 64, verset 5, pardon, je crois. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ok. Toute notre justice est comme un vieux, n'est-ce pas, vêtement. Donc, les vêtements dans les Écritures représentent la justice, aussi bien la justice divine et la justice humaine. Et ces femmes qui voulaient garder leurs vêtements voulaient en fait garder leur propre justice. Voyez, frère, leurs propres œuvres. Elles refusaient la justice de Dieu. La parole nous dit, mes amis, que si notre justice, le Seigneur disait aux apôtres, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Et quelle était la justice des pharisiens? Il fallait observer le Shabbat. Il fallait observer les jours, il fallait se faire circoncire, il fallait payer la dîme, mes amis. Et c'était ça leur justice. Elle était complètement, mes amis, humaine, charnelle. Et la justice du Seigneur est celle que nous avons obtenue grâce à l'œuvre de la croix. Romains chapitre 5 nous dit, n'est-ce pas, au verset 1er, Raphaël? Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, alléluia. Ah, c'est bon. Voilà, la parole nous dit que, mes amis, nous sommes justifiés par la foi, par, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ. Cela veut dire que personne ne peut être sauvé S'il ne reçoit la justice de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, par le sacrifice de son Fils, nous a rendus justes. C'est lui qui nous a déclarés justes. Ce ne sont pas nos œuvres. Or, les sept femmes d'Ésaïe 4 refusaient la justice de Dieu, préféraient, mes amis, leur propre justice, c'est-à-dire le fait d'imposer la dîme aux gens, pour être bénis, alors que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, nous dit Éphésiens 1:3. Voyez? Donc, voilà pourquoi la majorité de nos églises, mes amis, mettent l'accent sur les œuvres. Les œuvres. Les œuvres. Plus vous donnez de l'argent, plus vous allez être amis des pasteurs. Plus vous donnez de l'argent,
plus les gens vont vous considérer. Voyez, tout tourne autour de la justice humaine. Et les gens se glorifient du fait qu'ils donnent beaucoup d'argent à l'Assemblée. Ils se glorifient parce qu'ils ont des beaux vêtements, costumes et cravates, soutane. Ils pensent que c'est cela la justice de Dieu. Ils s'appellent majesté, comme dans certaines assemblées ici à Paris, notamment dans l'une d'elles où il y a la prospérité financière à fond. On prêche cet évangile et les gens croient que c'est avec, mes amis, parce qu'ils sont adhérés, parce qu'ils ont adhéré aux fédérations qui vont être protégées. Ils pensent que leur protection viendra des hommes. Voilà pourquoi ils vont rapidement fédérer pour ne pas avoir leur bâtiment fermé. Vous voyez, tout ça, c'est parce que tout ce comportement, mes amis, nous parle du refus de ces chrétiens, de ces prédicateurs, de laisser Dieu les justifier. Vous voyez, frère, alors que Jésus-Christ dit dans Marc 10 qu'il est impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes. Il est impossible d'accéder au salut par ses propres moyens. Vous voyez, frère, et Ésaïe 64, 5 nous dit que toute notre justice est comme un vieux vêtement, un vêtement sale. C'est terrible, frère. Ça veut dire que tu ne peux pas être accepté par le Seigneur parce que tu jeûnes beaucoup. Tu ne peux pas être guéri par le Seigneur parce que tu as beaucoup prié. Tu ne peux pas être béni financièrement par le Seigneur parce que tu as beaucoup donné. Non. Tu ne peux pas. Oui, il y a un principe selon lequel plus tu donnes, plus tu es béni. Mais nous devons comprendre que même l'argent que nous avons, c'est Dieu qui permet à ce que nous l'ayons. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et Dieu dit dans Job 41 là-bas, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, tout vient de Dieu. Tout. Quand je vois sur Internet des femmes qui prêchent et qui disent, notamment à Kinshasa, que c'est parce qu'elles font des jeûnes de 100 jours que Dieu guérit les gens, je me dis, quelle insulte. On crache sur l'œuvre de la croix en parlant comme ça. Parce que Dieu nous a guéris avant même que le monde ne soit créé. Il est dit clairement dans Ésaïe 53, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Ce n'est pas par nos jeûnes, nos prières, que les gens sont guéris, délivrés, frères. Loin de là. Quand Pierre a prié pour cet homme boiteux de naissance, les gens étaient étonnés, mes amis, de cette guérison. Et Pierre a dit, pourquoi vous étonnez-vous? Ce n'est pas parce que nous sommes purs, justes, que cet homme a été guéri. C'est parce que, mes amis, quelqu'un a payé le prix à la croix. C'est ça le message qu'il faut prêcher. Quand j'entends des pasteurs dire aux chrétiens, « Oui, mais j'ai prié pour toi, Dieu t'a guéri, tu ne m'as rien donné, et tout ça là. » Et ils ont besoin de la reconnaissance, d'être récompensés, des actions de grâce. Mais les actions de grâce doivent être rendues au Seigneur. Mes amis, ce n'est pas nous qui devons recevoir ces remerciements. Les gens sont guéris, ils n'ont pas à nous remercier. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17, verset 10 le dit. Donc les gens qui sont guéris au programme de réveil, là, je ne suis pour rien. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis appelé par Dieu. C'est parce que Dieu, mes amis, nous a déjà guéris. Mes amis, à la croix, Christ nous a guéris. C'est ça l'évangile chrétien. C'est ça l'évangile. Tu peux faire 100 jours de jeûne. Toi qui enseignes cela, femme, repens-toi. Toi qui enseignes cela, tu amènes les gens en enfer avec des fausses doctrines. Non. C'est la parole de Dieu qui guérit. Et notre Dieu s'appelle Yahweh Rapha. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne partage sa gloire avec personne. Personne. Nous devons revenir au message biblique, au message apostolique. Frères et sœurs, on entend des pasteurs dire, « Oh, j'ai prié pour cette femme, Dieu l'a guérie, et puis elle a quitté l'église, elle n'est pas reconnaissante. » Mais les gens sont libres. Ce n'est pas toi qui as guéri. Les gens sont libres. Vous, quand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. La parole le dit. Vous voyez? Or, l'église de Laodicée refuse le nom, refuse, mes amis, le pain, la croix, la Pâque, le pain de vie, l'évangile pur. Cette église refuse également la justice du Seigneur, le fait de reconnaître que nous sommes inutiles.
Nous sommes des serviteurs inutiles. Et voilà comment, mes amis, beaucoup de pasteurs sont devenus, mes amis, orgueilleux, au point de refuser mes amis, de se repentir quand Dieu leur demande de prêcher la vérité. Ils connaissent, pour certains, la vérité, mais ils ne veulent pas la partager avec les frères et sœurs. Et c'est grave. Tout ce qu'ils veulent, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est devenu comme, mes amis, c'est devenu un business. Un païen qui n'est même pas converti va adhérer à une assemblée locale, va commencer à chanter. La personne est païenne. Elle ment. Elle court après les maris d'autrui. Elle va de maison en maison. Elle refuse de se marier alors que tous les hommes veulent coucher avec. Et cette personne-là qui est bien une païenne, mes amis, porte le nom de chrétienne, le nom de Christ, va d'église en église pour semer le trouble. Et on a des cas comme ça dans nos églises. Des gens qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, portent, mes amis, le nom de Jésus-Christ, utilisent son nom et font des séminaires payants, des coffrets d'enseignement payants, alors que Jésus n'a jamais fait ça. Ils portent son nom, ils prêchent son nom, ils prêchent sur son nom, mais ils ne vivent pas comme le maître a vécu. C'est-à-dire, ils refusent la vie de Jésus. Car le pain, c'est la vie. Vous voyez, frère, il a dit qu'il est le pain de vie. La vie de Jésus, c'est quoi? Christ n'a pas fait payer ses enseignements. Donc, il ne faut pas faire payer. Christ n'a pas fait payer ses chansons. Ils ont chanté dans le jardin de Gethsémane avec les disciples. Mes amis, qui a payé, mes amis, pendant qu'ils chantaient là-bas? Personne. Donc, vous, toutes les personnes, chrétiens, écoutez-moi bien ce soir. À chaque fois que vous voyez un chantre faire payer aux gens son concert, à chaque fois que vous voyez une chantre faire payer aux gens son concert, à chaque fois que vous voyez un pasteur faire payer aux gens sa formation biblique, sa conférence, ses écoles de danse payantes, frère, dites-vous, ce sont des gens qui portent le nom de Jésus, mais qui refusent son pain, qui refusent son vêtement, sa justice. Et Romain nous dit que revêtez-vous de Christ, mes amis. C'est ce que Romain nous dit. Revêtez-vous de Christ. Donc Christ est vraiment un vêtement, frères et sœurs, que nous devons porter. Romain chapitre 13, verset 13. Romain 13, 14, pardon. Merci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez bien que, en fait, ces femmes ont refusé de se revêtir de Christ. Christ est notre vêtement. Donc vous voyez que Christ est notre pain, Christ est notre vêtement. Celui qui porte Christ comme vêtement, mes amis, le Père ne verra pas sa nudité parce que la personne est couverte. Et le vêtement de Christ, c'est le vêtement que portait le souverain sacrificateur quand il entrait dans le lieu très saint. La tiare, c'est le casque du salut. Or, le nom de Jésus signifie salut. Yahweh salut. Pour nous aider par rapport aux pensées impures, pour nous protéger des pensées impures que Satan nous envoie. La ceinture que le souverain sacrificateur portait, c'est Christ, Éphésiens 6. Sa robe, c'est Christ, sa tunique. Le pectoral, c'est Christ, le bouclier de la foi. Vous voyez, frère? Donc, le souverain sacrificateur dans le sein de saint portait l'armure du combattant dont il est question dans Éphésiens 6, qui n'est rien d'autre que Christ dans ses multiples aspects. Mes amis, c'est terrible. Hein? Donc, vous voyez bien que quand un chrétien refuse de porter Christ comme vêtement, il est vu comme, il est nu et il ne peut pas paraître devant Dieu. Et c'est le cas de l'église de Laodicée. Voilà pourquoi Dieu l'appelle pauvre, aveugle et nu, misérable également. C'est terrible. Alors on préfère porter des costumes et cravates. On préfère porter des soutanes et de la kippa.
des chrétiens évangéliques qui deviennent de plus en plus judaïsants se mettent, mes amis, à porter la kippa sur le monde à l'envers et ils ont délaissé Christ. Les catholiques proclament, se réclament du nom de Jésus-Christ. Les mormons se réclament du nom de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah se réclament du nom de Jésus-Christ. Les protestants se réclament du nom de Jésus-Christ. Voyez, frère, même chez les musulmans, ils parlent aussi de Moussa, de Issa, Jésus. Ils parlent de Jésus. Ils disent qu'il est prophète. Donc, vous voyez, même dans l'islam, ils ont pris aussi le nom de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est terrible, frère. Donc, tout le monde porte ce nom-là. Même les païens par rapport à l'histoire. On parle d'avant et d'après Jésus-Christ. Hein? Fais-nous seulement porter ton nom. La parole est vraie, chrétien. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Hein? Mais maintenant, où sont, mes amis, les vrais enfants de Dieu? Ce sont ceux qui ont le pain et le vêtement. Parce que ceux qui ont le vêtement, ils sont sanctifiés. Ils craignent Dieu. Ils ont la nature de Christ en eux. La vie de Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui veulent bâtir les églises simplement avec le nom de Jésus. On voit bien qu'on se rend compte que tel frère, tel monsieur n'a même pas l'onction, n'a même pas le message, n'a même pas la parole, mais il veut quand même diriger une église. Vous vous rendez compte? Tout le monde veut ouvrir sa boutique. Tout le monde veut créer sa société, mes amis, religieuse. Mais où sont les vrais chrétiens? L'heure est grave. L'heure est grave. Pour finir, Matthieu, chapitre 7. Versets 21-22. Vous pouvez nous appeler, si vous le souhaitez, au 01-64-98-90-45. Matthieu 7, 21-22. Amen. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mmh. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous voyez, il, à la fin, maintenant le Seigneur dira à tous ces gens, à cette église, qui refusait de porter, n'est-ce pas, de manger le pain du Seigneur et de porter son vêtement, cette église qui voulait simplement utiliser le nom de Jésus-Christ, le Seigneur dira à cette église, retire-toi de moi. Et ça va être la confusion. La confusion. Et pendant que je parlais, le Seigneur m'a donné un autre passage dans 2 Timothée 2. Verset 19. Plusieurs viendront en mon nom, disait le Seigneur. Dans Matthieu 24. Plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Il a dit le Seigneur. Donc, vous voyez bien que les gens utilisent le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Ça marche, hein, parce que beaucoup de personnes sont malades, ont besoin de la guérison. Donc, du coup, dès qu'il y a un prédicateur qui vient, qui parle bien, eh bien, il se laisse séduire. Dès qu'il y a un chanteur qui a une belle voix, alors qu'elle n'est pas sanctifiée, eh bien, les gens se laissent séduire. Nous sommes dans 2 Timothée 2,19. Amen. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Ah ah! Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'église de Laodicée, c'est cette femme, ne veulent pas s'éloigner de l'iniquité. Voilà pourquoi dans ces églises, mes amis, l'accent est mis sur le nombre et non sur la qualité. Donc les voleurs, les menteurs, les divorcés remariés,
les impudiques, tout ça là, les sorciers, tout le monde est mis dans le même panier, fédération, tout ça là, c'est Babylone, unissons-nous, voyez, afin d'être forts, afin de ne pas être dispersés, tout ça, mais pourtant, il n'y a pas la sanctification, on ne dénonce pas le péché et on ne chasse pas de ces églises les gens qui veulent, ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas se sanctifier. Parce que les gens ont besoin de voir leur salle remplie, leur bâtiment rempli. Donc du coup, ils ferment les yeux sur le péché, sur la compromission. Et c'est grave, frères et sœurs. Parce que les pasteurs veulent avoir des gros salaires. Donc ils voient, au lieu de, sur chaque tête de chrétien, sur chaque tête de ces hommes et ces femmes, ils voient des billets de banque et non des âmes qui doivent être amenées à Dieu. Et c'est grave. Tu es digne, Seigneur, de tout l'honneur. Tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Dans ta présence, je vis. Et avec ce que j'ai en moi, je viens. Oh.
bazina kiti yabo kondina yo e ya ya e mo bazota tata na senti yabo kondina yo e ya ya e papa nanga fandina kiti yabo kondina yo.